Ravi de vous retrouver dans ce journal, mesdames et messieurs, les titres. Dans un communiqué conjoint, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé leur retrait sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils reprochent à la CEDEAO de s'être éloigné des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Vous en saurez plus dans cette édition. Barrick Gold reste un véritable contributeur à l'économie malienne. Pour 2023, la société minière a déboursé près de 230 milliards de francs CFA au développement socio-économique du Mali. Les détails dans un instant. La bataille entre le Mali et le Burkina Faso, deux pays de l'Alliance des États du Sahel, aura lieu dans cette CAN. Ils s'affrontent demain mardi pour une place au quart de finale. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. CEDEAO, le Mali, le Niger et le Burkina Faso claquent la porte. Après 49 ans de présence, les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont annoncé le dimanche 28 janvier 2024, dans un communiqué conjoint, leur retrait sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, reprochent à l'organisation ouest-africaine de s'être éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Commentaire, Fatmata Labas Touré. Décidément, le divorce semble consommé entre les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Mali, le Niger et le Burkina Faso et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En effet, dans un communiqué conjoint, les trois États ont annoncé, je cite, leur retrait sans délai de la CEDEAO. Les chefs d'État des trois pays prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population décident en toute souveraineté du retrait sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, peut-on lire dans ce communiqué conjointement signé par les présidents des trois pays. En effet, dans le même document, les dirigeants des trois pays disent avoir, je cite, constaté avec beaucoup de regret, d'amertume et une grande déception l'éloignement de l'organisation ouest-africaine des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Aussi, ils reprochent à la CEDEAO de s'être laissé influencer par les puissances étrangères tout en trahissant ses principes fondateurs. La CEDEAO est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur, ont-ils ajouté. À la suite du communiqué conjoint du Burkina Faso, du Mali et du Niger annonça le retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la commission de l'organisation sous-régionale a annoncé dans un autre communiqué qu'elle n'a pas été saisie officiellement par les autorités de leur intention de se retirer de la qu'elle n'a pas été saisie officiellement plutôt par les pays de leur intention de se retirer de la communauté. La commission de la CEDEAO reste saisie de l'évolution de la situation et fera de nouvelles déclarations à mesure que la situation évolue. Malgré les raisons évoquées par les autorités maliennes pour justifier cette décision de quitter la CEDEAO, des leaders de classe politique, tout comme ceux de la société civile malienne, ne sont pas du tout rassurés. Ils laissent apparaître des inquiétudes et des soupçons. Découvrons-les avec Bakary Mcidoué. C'est avec une grande tristesse que Issa Kaoudjim, ex-membre du Conseil national de transition et acteur incontestable de l'avènement de la transition actuelle, a suivi le communiqué conjoint des États de l'Alliance des États du Sahel annonçant leur retrait de la CEDEAO. Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regret, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Selon lui, il serait mieux que ces États cherchent les voies et moyens pour répondre aux attentes de leur peuple que de maintenir la dynamique de la scission. Sortie de la CEDEAO, je crois que c'est pour leurs opinions respectives qui cherchent à détourner l'attention des vrais problèmes que ces pays vivent et traversent aujourd'hui. Mon pays aujourd'hui n'a pas d'électricité et puis aujourd'hui,
On est dans l'impasse économique, sociale, on a des difficultés. Comment trouver des solutions? Est-ce que vous pensez qu'en disant nous nous retirons de la CEDEAO, c'est ça qui va résoudre le problème? Non, je pense que le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est de renouer le dialogue avec la communauté internationale, avec les institutions sous-régionales, avec tout le monde pour défendre nos positions. Pour d'autres politiques, cette nouvelle dynamique amorcée par ces trois pays permet de jeter les bases d'une nouvelle génération de dirigeants africains prêts à se sacrifier pour leur peuple. Ils invitent les citoyens à soutenir la déclaration. Les autorités ont dit, nous attendons de la CEDEAO nous accompagner pendant les moments de difficulté. Tout le temps que nous avons combattu le terrorisme, tout le temps que nous avons combattu la rébellion, la CEDEAO est restée presque muette, sinon même muette. Alors si les objectifs ne sont pas atteints, les intérêts ne sont pas sauvegardés, toutes les raisons pour lesquelles nous avons créé, adhéré, animé, et soutenir cette organisation régionale, malheureusement, on se trouve à chaque fois les parents pauvres de la situation. Et si ça devait nous amener à servir d'outil de travail, sinon de pression, pour d'autres intérêts, je ne citerai pas de nom ici, autant respecter ce que nous avons dit, notre souveraineté. Donc nous retirer de la CEDEAO ne veut pas dire la mort du Mali. En tout état de cause, la décision de quitter la CEDEAO va continuer à diviser les Maliens au-delà des dirigeants et des leaders d'opinion. Actualité dans un autre registre. Il y a 8 ans, disparaissait Birama Touré. En effet, le 29 janvier 2016, Birama Touré disparaissait en moto dans la nuit à Bamako alors qu'il venait de déclarer son mariage à la mairie et avait passé l'après-midi avec sa famille. Après, aucun de ses proches ne l'a jamais revu. 8 ans plus tard, on ne sait toujours rien du sort de notre confrère Birama Touré. Rappel des faits avec Maimouna Ouedraogo sur ce thème suivant. C'est lundi, ça fait 8 ans, jour pour jour, que notre confrère Birama Touré a disparu. Selon une enquête de Reporters sans frontières, sortie en 2022, le reporter du journal Les Sphinx, qui avait rejoint le journal Le Prétoire quelques semaines avant sa disparition, serait très probablement mort des suites de sévices infligées lors de sa détention au secret dans les locaux des services de renseignement en 2016. Pour le moment, à part l'interpellation de l'ex-directeur général de la Sécurité d'État, les enquêtes judiciaires n'ont pas connu de grandes avancées. On rassure que les dossiers avancent, mais les journalistes attendent que la lumière soit faite sur cette affaire inédite dans l'histoire contemporaine de notre pays. Incarcéré pour association de malfaiteurs et incitation à la violence, Mohamed Youssouf Bachili, alias Rasbach et Orokia Toudoumbia, dit Rose, ont comparu ce lundi 29 janvier devant la cour d'appel de Bamako. Après le débat, le délibéré de Rasbach est attendu pour le 5 mars 2024. Pour Rose, elle a été acquittée mais reste en prison pour une autre charge. Pour en savoir plus, écoutons l'avocat de la défense au micro de Gabriel Keïta. Donc nous avons défendu les dossiers avec les arguments juridiques et à partir de ce que les faits ont pu révéler dans la salle. Puisque la dernière instruction se fait dans la salle, tout est débattu, tout est interrogé et donc on ne retiendra que les faits qu'on a pu prouver. Et dans ce cadre-là, je pense que les débats ont été menés par un président vraiment qu'il faut saluer parce qu'il a su maintenir la police de ces débats qui n'étaient pas faciles. Nous avons donc assisté Mohamed Youssouf Bachili, que vous appelez familièrement Rasbat, et puis Madame Rokia Doumbia, que vous appelez Rose Vichère. Mohamed Youssouf Bachili dit Rasbat, son dossier a été mis en délibéré. Et les résultats, nous les aurons que vers le 5 mars, on nous a dit. Et Madame Rose, par contre, il a été démontré qu'elle n'a rien fait du tout, absolument rien. Aucun fait qu'on lui a reproché n'a été prouvé dans la salle, même pas un début de preuve. Donc elle a été arrêtée
pour ces faits-là, vraiment de la façon la plus incompréhensible possible, parce que quand même toute arrestation démontre la gravité des faits. Mais lorsque les faits n'existent même pas, comment peut-on les qualifier de graves et arrêter quelqu'un? Ils n'existent pas. Donc je salue le procureur qui a eu la sagesse de dire que réellement, lui, il ne sait pas, il ne comprend pas pourquoi on l'a poursuivi. C'est le procureur qui l'a dit. Donc moi, je ne fais que le saluer. Et donc, on a été obligé de libérer Rose, au moins sur cette question-là. Mais elle va rester en prison parce que tout simplement, le même procureur avait déposé une autre plainte à un autre niveau. Il faudrait que cette plainte aussi soit instruite. Voilà, c'est tout. Dans le cadre de sa rencontre périodique avec la presse ce samedi 27 janvier 2024, le président directeur général de Barrick Gold, Marc Bristow, a fait le bilan des activités menées par sa société et les perspectives pour cette nouvelle année avant de rassurer sur les bonnes relations entre le complexe Louloubou-Nkoto et le gouvernement du Mali. Selon Bristow, en 2023, Barrick Gold a contribué à hauteur de 380,7 millions de dollars, soit près de 230 milliards de francs CFA en taxes, redevances et dividendes à l'économie du Mali. Oumar Koïta, de retour de Louloubou-Nkoto, nous en parle. Il s'agit, à travers cette rencontre avec la presse, de faire le bilan de la production d'or, la contribution de la mine au développement local et à l'économie nationale. Dans leur exposé, les responsables du complexe minier Louloubou-Nkoto ont fait le point. Et vous savez que notre objectif a toujours été de soutenir le Mali par le développement des compétences et aussi par le contenu local qu'on a fait il y a très longtemps. Donc en 2023, effectivement, lorsqu'on revoit l'année de façon générale, nous avons pu quand même livrer notre promesse de production qui est la production d'or, où on a fait les 683 011, soit près de 21 tonnes d'or. Donc on a le complexe Louloubou-Nkoto a produit. Donc l'année aussi, sur le quatrième trimestre, tous nos efforts en termes de santé et sécurité, on voit qu'on a quand même assez d'amélioration. En termes aussi de contribution, c'est un trimestre qui a vraiment consolidé puisqu'on fait en fait le bilan de l'année 2023 où sur l'année 2023 quand même notre contribution en termes de contribution directe au budget de l'État, c'est autour de 220-230 milliards qui ont été payés sous forme de redevances, des taxes et autres dividendes à l'État du Mali. Sur le plan local, le complexe minier a construit de nouvelles écoles à Faraba et à Nema. La remise de fournitures scolaires et l'octroi de bourses à 78 étudiants ont aussi été des faits marquants de 2023. À cela s'ajoute la réhabilitation en cours de la route Dabara-Sakola pour un coût total de 270 millions de francs CFA. Comme à son accoutumée, la société, à travers la Fondation Nos Vies en Partage, a remis à la Fédération locale des associations de personnes handicapées de Kenyeba et à SOS Village d'enfants Kaloum de Kaya chacun un chèque de 10 000 dollars. C'est la deuxième fois que nous venons retirer un chèque de 10 000 dollars aussi pour les enfants SOS Village. Et nous remercions beaucoup les donateurs. Et nous les assurons que cette somme sera utilisée à bon escient en faveur des enfants. Au cours de cette rencontre avec les hommes des médias, les responsables du complexe Louloubou-Nkoto ont évoqué l'extension du champ solaire de 40 MW, l'installation et la mise en service d'un système de stockage d'énergie en batterie. Le centre secondaire d'état civil de Missabougou, en commune 6 du district de Bamako, a servi de cadre le samedi 27 janvier à l'élaboration du programme de développement économique, social et culturel du quartier. Objectif, recueillir les propositions pour le développement du quartier à travers un diagnostic participatif. Gabriel Keïta. On va revenir sur cet élément dans nos futures éditions. Dans le cadre du projet Sinyasigi de l'association culturelle Côte Court, une remise de matériel de sonorisation, de podium et d'espace équipé a eu lieu le vendredi 26 janvier 2024 au siège de l'association à Dikoroni Para.
Cette initiative, financée par le projet GIZ dans Konimaya, vise à améliorer les conditions de vie des artistes, des associations et des organisateurs d'événements. Batelo Lomadi pour les détails. C'est par cette chanson que l'association culturelle Côté Court accueille ses matériels de sonorisation avec l'appui du projet Donkonimaya. Les artistes pourront désormais bénéficier des meilleurs équipements pour leurs événements, ce qui contribuera à améliorer la qualité de leur production. Sentiment de fierté, de joie, surtout en ce moment où les artistes ils sont en crise par rapport à ces matériels, surtout son, régie lumière et puis groupe. Et podium, parce que quand tu vois les événements, c'est ces matériels-là qui sont vraiment coûteux. Donc si nous, Association Côté Court, on a bénéficié de ces matériels-là, nous sommes vraiment heureuses d'avoir ça. Et puis nous remercions beaucoup Donkonimaya qui fait beaucoup de choses aux artistes, aux associations et aux opérateurs culturels depuis qui sont venus au Mali. Voilà, nous on est là, ça fait plus de depuis 2011. On a un problème, c'était ces matériels-là, donc notre rêve est devenu une réalité. Le projet GIZ Donkonimaya joue un grand rôle dans le cadre de la stabilisation de notre pays à travers la promotion de la culture. C'est pourquoi la représentante du ministre en charge de la culture a salué cette donation tout en invitant les bénéficiaires à prendre soin des matériels. La bonne gestion de ce centre permettra de créer des emplois et de réduire autant que peut se faire le chômage à travers les formations des jeunes intéressés par les activités artistiques et culturelles, d'où un intérêt particulier pour ce quartier. C'est un grand privilège pour nous de soutenir cette initiative ici, dans ce quartier notamment. Les jeunes sont tellement motivés, ils avaient vraiment besoin d'un espace pour s'exprimer, pour se rassembler ici ensemble. Donc c'est un grand, grand plaisir pour nous de soutenir cet effort et cette énergie qui existait déjà avant. L'un des temps forts de cette cérémonie a été la restitution de la formation dans le cadre du projet Chininyasigi, la présentation des matériels offerts par le projet GIZ Donkonimaya et une visite guidée au siège de l'association culturelle Côté Court. Après une victoire et 2 nuls, les Aigles du Mali veulent franchir demain le cap des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ce faire, Eric Sekouchiel et ses protégés doivent éliminer les étalons du Burkina Faso, des habitués du dernier carré de la compétition continentale. Les sélectionneurs des deux équipes ont dévoilé aujourd'hui leur stratégie à la presse. Maliki Diallo, Ibrahim Daou, Modou Faye, compte rendu. Les Maliens attendent beaucoup des Aigles après 2 éliminations consécutives en 8e de finale de la CAN. Nos représentants affronteront ce mardi les étalons du Burkina Faso, aussi déterminés à poursuivre l'aventure. Face à la presse sans son capitaine souffrant, Eric Sekouchiel affirme d'être conscient des attentes du peuple malien. Moi aujourd'hui, mon équipe elle a besoin d'être, encore une fois, d'être dans des bonnes conditions, de se focaliser sur ce qu'ils sont capables de faire et de répondre à un moment M, de répondre présent. Donc nous, le staff, que ce soit aussi bien la com que le staff médical, que le staff technique, le but du jeu aujourd'hui, c'est que demain à 17h, on soit prêt pour jouer un match très très important. Mais comme tu le vois, je le prends avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes joueurs depuis le premier jour de la compétition. Bien sûr de l'humilité, mais l'humilité n'empêche pas l'ambition. Sans dévoiler toute sa stratégie, Eric Sekouchiel compte sur tous ses joueurs. Le milieu de terrain Mohamed Camara, qui a raté les 2 premiers matchs, pourrait débuter face au Burkina Faso. Camara, il a fait une bonne rentrée. Il a fait une très bonne rentrée contre la Namibie, il a éclairé le jeu de notre équipe. Il progresse tout doucement sur un plan physique. Voilà, donc on verra s'il peut commencer le match ou apporter quelque chose à un moment donné du match.
Finaliste de la CAN 2013 et demi-finaliste en 2017 et 2021, le Burkina Faso ne compte pas s'arrêter en huitième de finale cette année. Le sélectionneur des étalons reconnaît tout de même les qualités individuelles et collectives des aigles du Mali. Notre avantage au Burkina, notre force aussi, à travers le match de demain, je pense que c'est aussi la grande expérience de nos joueurs de ces matchs-là. Même si l'effectif global a été renouvelé, avec certains joueurs qui n'ont jamais participé à une CAN, mais quand même, on a une grande majorité des joueurs qui connaissent ces matchs-là et qui connaissent la CAN. Ça, c'est très important pour moi. Et ça, c'est plus important que le beau discours de l'entraîneur, même si ce que je veux apporter aux joueurs, moi, c'est mon aide, c'est aussi savoir les galvaniser, mais ça, ils me connaissent déjà, ça, c'est pas le problème. Mais l'expérience qu'ils ont entre eux, c'est un groupe qui vit déjà depuis des mois et des années entre eux, c'est plus important que le discours de l'entraîneur. Les deux sélections se sont entraînées pour la dernière fois cet après-midi à Korogo, une ville qui verra jouer tout son dernier match de cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Le groupe Renouveau en deuil, Rokiatou Koulibaly, l'épouse du directeur du Renouveau Télé, est décédée ce dimanche 28 janvier 2024 des suites d'une maladie. Ses obsèques ont eu lieu ce lundi à Sébenikoro. En cette douloureuse circonstance, famille, amis et collaborateurs étaient présents pour apporter leur soutien à la famille de la défunte, suivant quelques réactions recueillies par nos reporters Awasanogo Matalawatra. Nous venons de perdre une belle fille qui, ma foi, vraiment, depuis son mariage, donc depuis son entrée donc, dans la famille, et qui n'a fait que couler vraiment donc, les tissus sociaux. Et qui nous a donné vraiment donc, quatre bons petits-fils également. Et si aujourd'hui Dieu l'apprenne, on ne peut que se remettre à ce bon Dieu-là. Et la vie est faite ainsi. On vit aujourd'hui, demain, donc c'est la mort. Et tous ceux qui sont là donc attendent leur tour. Mais notre cœur paisible aussi, ça du fait que lorsque vous perdez quelqu'un de très cher, vous voyez donc des gens vous entourer, la famille, les collaborateurs, et cela aussi donc apaise un peu vraiment donc le cœur. Donc tout ce que nous pouvons dire, c'est de saluer vraiment donc la mémoire donc de la défunte et de prier vraiment pour le repos éternel. Et que les enfants qu'elle a laissés vraiment donc que ceux-ci puissent vivre longtemps et que vraiment donc Allah puisse les bénir dans son paradis. Vraiment, nous avons un cœur triste, meurtri par le décès de l'épouse du directeur de Renouveau TV, Madame Fomba Rokiatou Koulibaly. Donc nous sommes là aujourd'hui pour l'accompagner, sa dernière demeure. Tout ce qu'on peut dire, c'est de prier et de demander la clémence du bon Dieu. Ces circonstances, c'est pas facile. Avec l'émotion, avec la douleur, vraiment nous prions pour le repos éternel de son âme. Et bon courage aussi, allez, nous soutenons notre frère, collaborateur M. Zagaro Fomba. Donc toutes nos condoléances à toute la famille et à tout le groupe Renouveau aussi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi va la vie, que son âme repose en paix. Fin de ce journal, à bientôt.